Shop les gens, ici Zikino de retour sur Atboy. Je viens de remarquer avec le... Alors j'avais remarqué un tout petit peu avant, mais avant au début de l'épisode présent on va dire. Mais les niveaux en fait ils ont à côté d'eux un symbole qui leur ressemble. Donc là le cap Dizzy qu'on vient de faire. Dans l'épisode présent, il y a l'igloo parce qu'il était vraiment dans la glace. Oui, c'était bien le niveau d'avant, il était dans des montagnes en fusion, et ben on voit les volcans. Ici c'était le bord de mer, je crois que c'est un coquillage ou une méduse. Là les bosquets venteux, on voit la statue. Je dois avouer que les sommets givrés là tout de suite j'en ai aucun souvenir, même le premier niveau, les plaines, j'ai pas spécialement un souvenir que ce soit si comment on peut dire grec que ça, ruine grecque que ça, mais voilà, c'est sympa qu'ils aient mis ce genre de petites touches sur la carte du monde. C'est parti pour Nuts and Bolts. Donc des noix et des boulons. D'accord que... ouais. Ah non, mais c'est pas un trou. Non, on n'est pas d'accord. Non, mais c'est pas juste un Ruskin. C'est pas juste un Ruskin entre les niveaux. S'il y a des parois destructibles, parce qu'au début je trouvais que c'était évident, mais je trouve que ça l'est beaucoup moins quand les décors sont nouveaux. Après c'est tant qu'on en a pas vu, on sait pas quoi. Cette orbe rouge a l'air suspecte. Je me demande comment on peut l'atteindre. C'était incroyable! Donc là. Ça flash et puis ça s'arrête. Ça donne une cinquantaine de... D'accord. Même la course rapide ne fonctionne pas. Enfin, fonctionne même moins bien que... Oh là. Oh là là. La
course rapide fonctionne même moins bien que le l'arrêt du temps, le ralentissement du temps. Bon, après c'est un peu normal, c'est la mécanique du niveau, mais dessus alors que j'allais tomber la fraise. Oh, yeah. Oh. Commencer. Oh là là, je n'y arrive plus. Je crois qu'il est trop tard, il faut que j'arrête. Donc après ce niveau. Que je reviens ici après. Et ben voilà. Des coups d'épée sur la scie circulaire. Peu son temps, ça marche mieux. En utilisant un peu les pouvoirs aussi et en se suicidant, ça marche beaucoup moins bien tout d'un coup. C'est la vie. C'est la vie que j'ai choisi, comme dirait l'autre. Aïe. Il y avait quand même un petit peu de... Oh là là. Je me suis pris trop cher juste là-dessus. Alors que
c'est juste à être synchronisé. Ça avait l'air d'être pour ramener. On progresse très petit à petit, mais on progresse. Mais ça avait l'air d'être pour ramener une plateforme par la droite. J'ai l'impression. J'ai pas trouvé un seul mur cassable d'ailleurs dans ce niveau pendant que j'y réfléchis. Et là, si, en fait. Je sais pas pourquoi le rythme dans ce jeu, je n'arrive pas à l'avoir. En fait, il est plus court que ce que je m'attends, je crois. Mais du coup, là, j'essaie d'y aller en mode plus rapide que ce que j'irais d'habitude et... Vu que c'est vraiment... Il faut avoir le rythme. Aïe. Ça devient compliqué. Y a pas de... De signaux en mode une frame avant les diodes s'allument ou les autres commencent à s'éteindre un peu avant ou quitte à ce que ça fasse rien quoi que l'hitbox change pas mais juste avoir un petit non, y a... ça. Ah oui d'accord, j'avais pas vu en haut, mais j'ai bien fait d'aller... me chercher... Alors déjà on sauvegarde, et après on descend. C'est la première fois que je vois ces fleurs-là dans un vrai niveau, pas juste en fin de niveau quand on t'apprend les compétences. Marrant. Hop. J'ai oublié de sauter.
En même temps, s'il n'y avait pas la fleur, il suffirait de faire ça. Hop. Hop. C'est ce que je suis bien obligé de faire pour la vie, mais... Attendez. On arrive ici. On arrive là. Et on passe la salle. Ouais. Pas forcément la salle la plus dure. Non, je veux voir si ça donne pas un bonus. Remonter par l'autre côté du coup. Non. Non, il n'y a pas de... Là, je peux pas me retourner d'ailleurs, c'est un peu bizarre ça, quand on est bloqué contre des murs. Je sais pas si on est obligé de regarder sur la gauche ou si on peut pas se retourner, mais c'est vraiment un peu bizarre. Ça me rappelle la scène de ce film-là, Mission Improbable. Complètement safe là-dessus. J'ai envie de monter là, non? On veut être là. Ouf. C'était le truc de gauche là pour sauter. Fonctionne pas. On assume d'avoir perdu un. On va pas tenter des trucs difficiles. Oh, je lui ai bien renvoyé dessus. On s'en fout de passer en bas. C'est juste pour être safe à cet endroit là. Aïe.
je comprends mieux l'intérêt de la plateforme du bas. Oh. Eh ben j'ai trouvé zéro mur à casser ici. Ah non, c'est pas fini. Ça ressemblait quand même à... Mince. Quoi servait ce truc? 753 803 à la fin, c'est plus facile. C'est plus facile de voir le cycle de choses qui montent et qui descendent que de prendre le rythme des... que de prendre le rythme des trucs électriques qui zappent tout d'un coup. Sans qu'on s'en rende trop compte. Alors, jusqu'où on revient ici? Ouais, non, ça c'était vraiment un move d'endormi. Je veux me plaindre du jeu, mais... Mais à l'instant, c'était un move... pourri de ma part. Regardez-moi ça! C'est tendu. Non, en fait, faut que je... Faut que je ralentisse le temps à un autre moment. Pas quand la plateforme arrive, mais quand elle est déjà bien là. Pour commencer à sauter. Ah. C'est bien dans les niveaux normaux, mais là, les plateformes, les lasers, tout va un peu trop vite pour que je trouve ça agréable. Ah.
On arrive, je suppose, vers les derniers niveaux du jeu. Non, c'est trop tard. Du coup, si on arrive vers les derniers niveaux du jeu, c'est normal que ça devienne compliqué. Regardez ce mur, il a des cracks. Il a des cracks au niveau du vert. Ok, je regardais vraiment la partie jaune. Mais c'est la partie verte qui nous intéresse. Pour savoir si les murs sont cassables. Du coup, j'ai loupé très certainement tous les murs cassables de ce niveau. Hâte de m'énerver. Et là, par exemple, on n'a pas le temps de... Pas le temps de voir les plateformes arriver. C'est vraiment tout au feeling. Par contre là, pourquoi je saute, je n'en ai pas la moindre idée moi non plus. Un PV pour faire cette traversée, autant dire que c'est mort. Parce que pareil, le jeu, bon après ça le fait rentrer dans les jeux un peu plus difficiles et pourquoi pas, oh j'ai réussi la traversée, en parlant en plus, mais bah, du coup le jeu, du coup n'est pas facile. Il y aurait pu par exemple avoir le personnage qui se déplace à la même vitesse que les lasers sur le... Non c'est pas... Sur le tapis comme ça, ou les tapis, les lasers qui se déplacent à la même vitesse que le personnage comme ça, c'est... C'est pas du... Il faut bien gérer, c'est du... On a le temps de réagir et il faut bien se caler quoi. Après, c'est, je me plains de choix de game design en soi. Ils ont parfaitement le droit de faire ces choix là, même si c'est pas ceux que me plaisent le plus à moi personnellement. Mais c'est pas grave. Petite frustration des jeux, c'est toujours aussi agréable pour avancer. Allez. Preuve, dans Céleste, il y a bien le niveau de l'hôtel. Avec tous ces cycles-là. J'ai oublié de charger. Personne ne l'aime, le niveau de l'hôtel. J'allais dire l'avantage c'est qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de pièces à récupérer. Le désavantage c'est que je fatigue, je m'énerve pour rien. De justesse. Je fatigue, je m'énerve pour rien. Oh là là, et du coup, je fais n'importe quoi, ça m'énerve encore plus, etc. Il
déjà trouvé que je peux envoyer la batte en mode tourbillon sur le ralentisseur de temps. Et c'est la base, j'ai envie de dire, mais ça m'aide vachement. De stress. Non. Ah, c'est juste ça. Centre, ça passe quand même tout de suite beaucoup mieux. Comme cette pièce, quand je me concentre, ça passe. Après, entre le petit délai pour s'arrêter et le tapis roulant qui est dans l'autre sens, évident. Est-ce qu'il fallait aller là ou plus haut? On va prendre les bonbons gratuits, hein. En espérant ne pas rager. Oh! Te voilà enfin, intrus, vêtu de rouge. Azaros m'a informé de ton arrivée. Tant pis pour l'effet de surprise! Setsuko, tu es saine et sauve. C'est une fille. Appelle-moi Blazing Star. Et j'ai une usine à gérer. J'ai pas le temps pour vous. Pas le temps pour papoter? Qu'est-ce que vous fabriquez ici au juste? Pas le temps non plus pour une visite guidée. On a un planning à respecter. 9h, aligner les bobines. 9h15, battre l'intrus rouge. 9h20, réviser les bobines. Les fusibles. 5 minutes? Tu penses pouvoir te débarrasser de nous en 5 minutes? 2, en réalité, j'ai calculé que notre petite conversation durerait 3 minutes. Je l'aime pas, ta pote. Tout pour le boulot et jamais de fun. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Elle est sous l'emprise du Lord Vicious. Les 3 minutes sont écoulées. Battons-nous! J'étais en mode pas si rapide, mais en fait, si. Par contre, est-ce que c'est pas un... un doublon avec l'autre? Voilà qui va me mettre en retard. C'est inacceptable. Laissez-moi m'équiper mieux que ça.
Voilà, voilà. Du coup, on a vu que. On a vu que la vraie suite du niveau, c'est par là. Pas la vraie suite du niveau, mais on a vu que le boss est en bas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de monter. J'ai essayé de monter. On va dire à la régulière, mais en fait la régulière c'est que j'ai un grappin. Il veut bien s'envoyer. Oui, c'est bien ça la touche alors. Qu'est-ce qu'il veut pas? Ça a marché, du coup ça m'a surpris. D'énergie. Heureusement que les checkpoints nous redonnent tout et qu'il y en a juste à côté. Voilà. Cette usine est incroyable. La chaîne de production est réglée comme une horloge. Une merveille de la technologie, mais il y a un truc qui me dérange. J'ai beau les observer depuis des heures, je ne sais toujours pas ce qu'ils fabriquent ici. Et la prochaine fois, j'aurai un PV de plus. Ce qui va pas forcément me sauver là, mais j'aurai mon PV. Les phases sont violentes pour le moment, mais bon. Il faut apprendre les patterns. Ah, j'ai pas pris la... J'ai pas trouvé la... verte. En même temps, je pouvais pas les murs à casser. Il va encore plus vite. Le fait qu'il va encore plus vite, ça veut dire qu'il va se faire encore plus de dégâts lui-même sur la batte qui reste immobile, mais ça veut dire que moi j'ai pas ma batte pour sauter partout, donc il faut que j'utilise la bulle, je pense.
Ah, j'ai pas pu remettre une bulle. J'ai pas vu combien de bulles de PV lui restait. J'ai l'impression que c'était quand même ma meilleure tentative. Ah, j'arrive même pas à sauter au-dessus des engrenages. Il y a un petit lag avant le début du... Parce que c'est le temps que le jeu passe plus ou moins les dialogues. Ah ! D'accord, si je me fais toucher par la boule rouge, c'est moi qui me suis à l'arrêt. Et si je lui renvoie dessus, c'est lui qui a... enfin elle qui est à l'arrêt. Oh, il lui restait un PV. Aïe, ah, dommage. Bon, c'est clairement ça, faut lui renvoyer les boules rouges sur la tête. Elle fait des tours sans prendre de dégâts. Quand même.
Oui, forcément, il faut que j'esquive les engrenages. La bulle, elle est pas là pour me protéger d'eux, elle est là pour... En tout cas, dans ma stratégie, elle est surtout là pour me protéger des... passages à toute vitesse. Et à ça sinon hein. Ah mais le moment où on tombe, faut connaître le jeu par cœur quoi, c'est... Y a pas une indication, un petit flash au moins du personnage qui dit qui t'indique que t'es à la fin du coulant quoi. Pour le coup je sais pas si c'est à mettre sur là j'aurais dû utiliser ma bulle. Je sais pas si c'est à mettre sur le coup d'un petit manque de polish ou d'un choix de game design qui correspond pas au nouveau joueur quoi. Trop de dégâts dans cette phase. Beaucoup trop de dégâts dans la phase 1. Allez, c'est déjà trop de dégâts. De PV, c'est mort. Après, il y a Adrou qui était là le week-end dernier qui apparemment a fait le jeu sans aucune amélioration. Donc c'est faisable, mais bon. J'ai pas envie de passer 8 heures sur un boss quoi. Je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est que tout à l'heure, il y avait un PV. On va prendre 2 secondes. Un petit coup, on boit un peu. Voilà. On se remet bien en face. Bien droit. Deux pieds au sol, et c'est parti. Thank you.
J'allais dire c'est déjà mal barré, mais je n'ai pris qu'un dégât. Vraiment que la deuxième phase, en fait je m'en fous, faut que je garde la batte avec moi. Je garde la batte avec moi pour la deuxième phase. Et que je lui renvoie sa boule, quoi. Que je mise tout sur la boule. Non, non, non. C'était déjà mieux. C'était déjà mieux. Ah, le PV gratuit que je me suis pris. Pas grave, on cherche pas à faire le boss en perfect, même sur juste une phase. J'utilise mes autres pouvoirs là juste pour me save, qui ne servent qu'à ça ou pour lui rentrer dedans. Et bien plus courte que sur le night, bien plus proche des 6 circulaires, on va dire, là, des engrenages. Je meurs sur les 6 circuits alors que c'est...
pas censé être la difficulté de ce niveau. Là, j'ai l'impression de m'être fait toucher par rien du tout. La boule rouge, mais c'est tout quoi. Vers le bas, c'est à ce moment-là qu'il faut sauter, mais verticalement pour leur retomber dessus. Alors, lui est retombé dessus, mais. C'était pas bon. Je veux charger en phase 2 alors que non, la phase 2 faut pas charger. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Pas chargé. Sauter verticalement, ça ne marche pas. Je ne me le mets pas en tête. Try 36. J'ai toujours 3 PV et la fin. Comment voyez sa boule rouge là? Moi je me jette dessus mais je la tape pas. Taper la boule rouge, elle disparaît avant. Un PV. Alors, un PV, c'est la run.
Bon, déjà, je me suis pas fait toucher par cette attaque en piqué. Ce qui doit être une première consciemment. Mais non, mais à chaque fois, je me fais avoir. Forcément, quand il y a la boule rouge. Je vais dire, je me loupe. Bon, ça faisait longtemps que je l'avais pas aussi bien réussi. Il y a pas mal. On prend les petites victoires, hein. On prend les petites victoires. Et ça, on abandonne. Non, là, je suis au-dessus de l'engrenage. Ça se voit au ralenti. Je suis au-dessus, je le touche pas du tout. J'étais dans mon attaque rodéo là, dans le ciel. Je crois qu'il commence à s'impatienter, veut dormir. Enfin, veut passer dans la chambre. Bon, celle-ci, c'est pas l'essai. On repart 41. Bon, quand même pas. On va atteindre la réponse à l'univers, à la vie, à tout le reste. À l'écran, même si c'est des petites zones. Non, j'ai lui passé à travers. Genre moi, j'ai renvoyé. Oh. Yes! Mais bon. On l'a fait. Où suis-je? Doucement, c'est Tsuko. Tu étais sous l'emprise de Lord Vicious. Oh, ça me revient. Il m'a confié cet endroit jusqu'à ce que le joug des ténèbres commence. C'est fini. Tu n'as plus à t'en préoccuper. Tu as raison, les jours de ce petit mage de pacotille sont comptés.
Merci à vous deux. C'est normal. Les autres se préparent à la taverne Fenki. Laisse-moi t'apprendre un truc avant que j'aille les retrouver. C'est vrai qu'on n'est pas retourné à la taverne, mais ça sera pas dans cet épisode vu la longueur. Saute sur un mur et appuie sur bas en l'air. Je l'ai pas vu faire de saut mural, mais pourquoi pas. Évite les pics en sautant sur le mur derrière toi. Il n'y a pas de frein. Souvent sur les sauts muraux, il y a un frein dans la vitesse quand on longe le mur, mais là, non. Tu as les bases, mets-les en application. Ah, je n'ai le droit que au saut, oui, c'est vrai. Vite, même s'il faut t'expliquer longtemps. Je vais voir toi qu'est-ce qu'il faut expliquer longtemps. Mon pauvre sous mural. Si on peut aller chercher, est-ce que j'oublierai la prochaine fois. On va juste chercher la vie supplémentaire. Voilà. Et on va se laisser là, mettre sur la taverne pour penser à les visiter. J'espère que cette galère vous aura plu. C'était... Ouais, galère. C'est bien compliqué, mais on a réussi, c'est l'essentiel. D'ailleurs, pendant que j'en parlais au début de l'épisode, l'usine, tout d'un coup, elle est devenue colorée sur la carte du monde. Donc, j'avais pas forcément fait gaffe au début, mais si vous revenez à l'épisode 1, enfin aux épisodes petit à petit, puisque la carte se dévoile petit à petit, mais vous verrez les différents niveaux en mode éteint, et maintenant on les voit allumés. Voilà. J'espère que donc ça vous a plu, que c'était pas trop long par rapport au reste, mais c'est un épisode de live et de toute façon, même si je le coupe en deux, je pense pas que je pouvais sauvegarder et continuer, j'aurais dû recommencer le niveau, alors je voulais éviter. À la prochaine, bye bye.